ça devient en fait une horde ici. En fait, il y a près d'une cinquantaine, une centaine de personnes, ça dépend des soirs. Ils font du bruit, ils font des barbecues toute la nuit, ils se bagarrent. On est tenté de dire, si la police vient pas, on va peut-être leur balancer des œufs. Ça va peut-être les faire partir. Si les œufs suffisent pas, peut-être qu'on va leur balancer d'autres choses. Des petits gravillons. Que ça parte finalement à coups de mortier, c'est pas forcément étonnant. On en a vraiment marre, quoi. On est abandonné ici. Donc je ne cautionne pas, mais je peux comprendre des actes désespérés comme cela. Et la nuit, ça devient un enfer. Les gens ne dorment plus. On va dire que ça va crescendo avec la fatigue des gens, en fait. On est bien d'accord, c'est pas du tout la solution. Il faut que ça s'arrête, il faut que les pouvoirs publics prennent vraiment ce problème en charge. C'est certain, c'est un appel au secours. On a une forme d'inefficacité, il faut qu'on arrive à s'en expliquer. Oui, c'est bien, la police déloge et ça prouve qu'elle agit. Simplement, si on pense que la police va résoudre ce problème-là, on va échouer comme on échoue depuis une quinzaine d'années, puisque c'est un problème qui est à la fois pénal, sanitaire, d'ordre public, social. Mais si on ne fait pas un travail de fond qui va jusqu'à l'expulsion des vendeurs, il faut dire qui ils sont, et si on ne prend pas en charge de façon sanitaire, sociale, les acheteurs, on va toujours avoir ces problèmes de stagnation. Effectivement, des centaines de personnes toute la nuit qui hurlent parce qu'ils sont accoutumés à une drogue qui est extrêmement ravageuse, les riverains vont ne plus tenir. Le sentiment qui pointe, c'est une volonté politique que ça reste ici à Stalingrad. C'est un quartier qui est populaire, on a presque 42% de logements sociaux ici. Donc les gens, quand ils ont un logement ici, dans le 19e, ils ont beaucoup de difficultés à en trouver parce que pour se reloger ailleurs sur Paris, c'est compliqué. Donc ici, c'est un endroit où les gens, de toute façon, ont l'habitude de subir. Ils subissent les incivilités, ils subissent la saleté. Et là, maintenant, ils subissent le manque de sommeil récurrent.